9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut ma belle âme, j'espère que ça va bien. En tout cas, pour ma part, moi, ça va super bien. Merci d'être ici en ce lieu en ce moment. Les énergies sont excessivement fortes. Ça fait plusieurs semaines que je le répète, mais je suis convaincu d'une chose, tu ressens ces énergies. Je veux savoir en commentaire si tu les ressens, ces énergies, car elles sont vraiment très puissantes. De mon côté, c'est fou, ça se manifeste, ça ne cesse de se manifester, et je veux regarder avec toi vers où on s'en va avec toutes ces énergies-là, parce que mon Dieu, ce que je vois est vraiment, dans ma petite boule de cristal, très très beau. Allez, c'est parti! J'ai le pressentiment profond au fond de moi et dans toutes les énergies qui m'entourent que nous sommes juste presque arrivés à ce moment tant souhaité, ce moment où la révélation va se faire, où notre hôte va finalement prendre son courage à deux mains et faire les premiers pas vers nous. C'est du moins ce que je vois et je le vois dans un avenir très rapproché. Et ça, c'est hyper positif parce que tu sais très très bien que ça fait très longtemps que nous attendons ça et que, ma foi, nous avons été très patients et patientes depuis déjà un très très bon moment, n'est-ce pas? Tu sauras me le confirmer. Certains diront que la patience a des limites, mais pour ma part, je suis convaincu d'une chose, là où il y a d'amour, la patience est illimitée. Donc, c'est avec le cœur qu'on fait chaque pas en avant et non pas qu'avec un cerveau. Donc, on imprègne à l'intérieur de nous les beautés de la vie pour ensuite se les approprier et faire venir vers nous tel un aimant toute cette beauté, cette grâce, cette dignité, cette fierté, cette passion qui nous habite. Et c'est justement là où tout va basculer, c'est qu'enfin nous allons être nous allons reprendre ce qui est notre dû, et notre dû s'en vient de façon assez incroyable. C'est du moins ce que les énergies sentent et veulent me faire comprendre et veulent que je te dise à toi qui écoutes en ce moment. Parce que si tu es ici, si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, alors sois la bienvenue, mais sache que ce n'est pas un hasard. Si tu as découvert cette chaîne, c'est que c'est fait pour toi et que les énergies, les guides ont des choses à te dire. Donc, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu, ça serait super sympathique. Merci pour vos likes, vos abonnements, pour vos dons aussi. Merci énormément du fond du cœur pour tous les membres Ko-fi qui sont présents chaque semaine. Donc, merci à toi et merci à toi aussi. Donc, les énergies, pourquoi elles sont si belles, ces énergies, elles sont si puissantes, c'est qu'enfin, je vois ce premier pas qui vient de plus en plus, tranquillement, mais assurément, vers toi. Et ça, enfin, je ne sais pas si tu peux voir à l'intérieur cette explosion d'amour qui est en toi. Et Dieu sait que même si cette vidéo est intemporelle, nous savons que les fêtes de l'amour s'en viennent et que les saisons de l'amour s'en viennent. Donc, clairement, nous avons le cœur léger, le cœur plein d'espoir, le cœur rempli d'un amour sans fin vers cette réalité qui va venir vers nous. Et on regarde ça. J'arrête de parler là. Let's go. On y va maintenant. Cette nouvelle réalité qui arrive vers moi, cette nouvelle réalité qui arrive vers toi. Qu'en est-il? Que m'attend les prochains jours? Que m'attend les prochains mois? Que m'attend surtout les prochaines semaines? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient vers moi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Au niveau sentimental. Bon, ben écoute, ça commence très très bien, comme tu peux le voir ici. Waouh, elle s'est éjectée d'elle-même. On le voit tout de suite, hein? Cavalier de coupe. Ben, le cavalier de coupe, ça fait quoi? Le cavalier de coupe, eh bien, lui, il va clairement... Je pense que je vais sortir ça comme ça, voilà. On va voir un petit peu mieux. Ouais. Bien, le cavalier de coupe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il c'est le messager. Les cavaliers sont des messagers. Et en tant que messager, eh bien, c'est ce que je vois présentement. Je vois ce premier pas de ton hôte vers toi. Je le vois venir enfin faire sa proposition vers il toi. Il s'en vient vers toi, il s'en vient vers moi, il s'en vient vers nous. Et ça, c'est fabuleux pour moi parce que ça me laisse enfin croire que le dénouement arrive
à sa fin, à sa conclusion. Mais en fait, ça ne sera pas une conclusion, bien entendu, ça sera un nouveau départ. Nous le savons tous très bien qu'à partir de ce moment, nous allons être capables de progresser, nous allons être capables d'avancer et nous allons le faire, bien entendu, en couple avec cette personne. Parce que cette personne, c'est le messager, c'est le message, c'est la proposition que nous attendons depuis si longtemps, n'est-ce pas? Et le cavalier de coupe n'est pas qu'un simple cavalier, c'est le cavalier qui livre les roses, c'est le cavalier qui... My God! C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment le Cupidon du tarot, c'est lui qui vient te montrer tout ce qui s'en vient de beau vers toi, tout ce qui s'en vient de beau vers nous. Donc nécessairement, ton autre, enfin, va faire sa proposition. Et on l'a vu de façon magistrale, hein? La carte, c'est... littéralement libérée. Je ne l'ai même pas choisie. Elle est tombée toute seule et c'est... Ben voilà. Quoi dire de mieux? Alors pour ceux qui ont encore des doutes, sachez que ça s'en vient. Et quand ça arrivera, eh bien je veux que vous me dites en commentaire que j'avais raison. Parce que oui, j'ai raison. Les énergies ont toujours raison. D'accord? On peut se tromper parfois, mais les énergies, elles, ne se trompent jamais. Donc surtout dans des situations comme celle-là, là, c'est juste... incroyablement beau, parce que c'est l'amour pur ici, là. C'est ce que tu as manifesté depuis si longtemps, tes prières ont été entendues, cette manifestation que tu as su intégrer avec la loi de l'attraction paye enfin, les fruits de l'arbre tombent et ils roulent vers toi, tu n'as qu'à te pencher et les ramasser, on n'a pas grand chose à faire, hein? Nous n'avons qu'à attendre cette déclaration d'amour, car oui, cette déclaration d'amour, elle va venir par ce magnifique cavalier, merveilleux cavalier de coupe, ou cavalière, hein? C'est son nom genré, on le prend comme on le désire. Ah, my God, écoute, on dirait que je fais exprès, mais pas du tout, vois-tu comment les énergies sont d'accord avec moi? La reine de coupe, la Aphrodite du tarot qui se pointe tout de suite après avoir reçu cette missive de ce cavalier de coupe. Nous avons nul autre que la reine de l'amour qui se pointe vers nous pour nous dire à quel point notre vie va prendre un tout nouvel essor, un tout nouvel élan. Et ce nouvel élan, eh bien, il va se faire dans les pas de l'amour. Il va se faire uniquement dans cette fonction vitale de notre cœur si puissant qui vient puiser dans notre âme et qui vient s'enraciner dans notre destin tout profond parce que tout ça est quelque chose de destiné. Et tu sais très bien au fond de toi, et je ne t'apprends rien, que cette union, cet amour que tu ressens pour ton autre, cette puissance inimaginable qui déplacerait des montagnes, eh bien, tu l'as en toi depuis tellement longtemps et tu sais très bien que ce n'est pas un hasard. Tu sais très bien, tout comme moi, que c'est le destin qui le veut ainsi. Tu sais très bien, tout comme moi, que la déesse de l'amour ne sortirait pas de son lit juste simplement pour nous raconter des âneries. Elle sort pour nous dire la vérité. Elle sort pour nous dire ce qui vient vers toi. Et il va venir, parce qu'enfin, sa proposition va arriver. Son cœur va se dévoiler. Il va ouvrir son cœur à toi. Et c'est magnifique. Ton autre, eh bien, quand je parle de ton autre, c'est la personne à qui tu penses, OK? C'est cette personne qui est dans ton cœur, cette personne à qui tu rêves la nuit, cette personne qui fait battre ton cœur. D'accord? Et ça, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content. Parce qu'enfin, la véracité des visions que j'ai se conforme et se réconforte aussi avec ce qui est tiré ici par les mains des énergies. Donc nécessairement, 1 plus 1 égale 2 et tout s'entrecroise, tout s'enchevêtre, tout fait en sorte de bien s'imbriquer l'un dans l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que même le hasard ferait pas mieux, là. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Alors, c'est enjoy, OK? On se lève, comme j'aime à le dire, lève-toi et love, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Lève-toi et love. C'est beau, hein? C'est beau, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle philosophie de vie. Ça donne l'opportunité de s'élever. Quand je dis lève-toi, c'est de s'élever, bien entendu, au-dessus de la mêlée, au-dessus de nos sentiments et de nos schémas négatifs, nos schémas récurrents qui nous emprisonnent dans un carcan qui ne devrait pas être, mais qui parfois est par nos expériences. Mais en même temps,
ça vient nous rappeler que l'amour est le fondement de tout et que c'est avec cet amour que nous progressons autant physiquement, spirituellement que, eh bien, dans cette vie, tout simplement. Wow, l'as de bâton, OK, bon, avec l'as de bâton, ça serait difficile d'être un plus beau tirage que ça. Parce que l'as de bâton, écoute, regarde la carte quelques instants. Regarde là, son troisième œil ici. Je te parlais de destinée tantôt. Là. On est vraiment là. L'amour aveugle, l'amour sans se poser de questions parce que c'est écrit. C'est le destin qui t'embarque dans cette belle roue universelle-là qui fait en sorte que tout balance et tout roule, tout est merveilleux. L'as de bâton, c'est aussi la puissance de notre feu intérieur. On le voit très bien ici, dans l'œil, ici, le troisième œil. C'est notre feu intérieur, notre sérénité, notre confiance en la vie, notre confiance aux énergies qui a fait en sorte que maintenant, on est apte à recevoir. Parce que l'as de bâton a cette grande capacité de nous dire que la manifestation, tout ce qu'on a manifesté, est en train de se produire. Ça l'exauce, ça réalise la manifestation. Donc, si vous êtes à pieds joints dans la loi de l'attraction, eh bien, sachez que ce que vous manifestez arrive. Donc, dans tout ce que je viens de te dire ici présent, là, tout ça est en train d'arriver réellement et de bonne façon, OK? Parce que tout ceci fait partie d'un plan, un plan concerté du destin pour pouvoir réunir toi et ton autre. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne veux même pas en discuter. C'est quelque chose qui est pour moi qui est coulé dans le béton. Et regarde, on parle ici avec le 8 de Pentacle, ici, de la création, la mise en avant de tout ce que nous... On ne la voit pas, par contre. Je vais essayer peut-être de me reculer un petit peu. Voilà, on voit la création. C'est la carte de la grande création. Nous avons su travailler sur nous-mêmes. Nous avons su... faire les prières aux bons endroits, à nos guides, à l'univers, etc. Et ça nous amène dans cette nouvelle réalité, cette manifestation qui prend maintenant vie dans chacun de nos actes. Regarde ici. Le valet de bâton aussi. Est-ce qu'on est heureux avec un valet de bâton? Est-ce qu'on est heureux? Regarde cette fougue, cette jeunesse, ce bonheur incommensurable qui, ma foi, fait vibrer chacun de nos pas. Écoute, et ce qui fait briller chacun de nos pas, c'est exactement, tu auras compris, la grande dame Aphrodite et la création, eh bien, a fait en sorte de nous apporter à nous ce message de notre hôte qui enfin va nous livrer, va nous donner cette proposition que nous attendons depuis si longtemps. Et qu'est-ce que j'ai de relié à l'as? Voilà, le choix. Parce que nous avons toujours le choix. Il y aura un choix à faire et un prix à payer, OK? Donc, nécessairement, ça va amener une grande décision. Et cette décision-là, probablement qu'elle va, elle va être très terre à terre. Ou encore, ça va être de choisir entre deux personnes. Ça peut être ça aussi. Parce que certaines personnes sont peut-être avec une personne actuellement en attendant. Ou peut-être qu'une autre personne va se présenter à toi. Et tu devras choisir entre ton autre et cette nouvelle personne qui te semble intéressante. Mais bon, le côté que je peux te donner de comme indice qui peut être intéressant, c'est qu'on parle avec le 2 de Pentacle, on parle de choses qui sont terre à terre. Donc, signe de terre peut-être à privilégier. C'est vraiment là que je vois. Je parle beaucoup du Capricorne, mais j'ai souvent le mot Capricorne qui me revient en tête. Mais c'est peut-être pour toi quelqu'un de différent. Mais ça peut être tout simplement une personne très terre à terre. Ça peut être une personne de signe de terre. Ou encore, toi, tu auras à choisir entre deux personnes. Et peut-être que même cette personne aura la difficulté et devra faire un choix elle aussi. Parce que réunir des âmes sœurs, réunir des flammes jumelles, réunir les personnes qui sont dans un chemin de destin, parfois on emprunte des chemins différents et on se croise et après ça on se recroise et nous avançons dans la même direction. Mais pour ce faire, il y a des sacrifices à faire, et ces sacrifices, ils doivent être faits. Et regarde ce que j'ai en dos de deck, le monde. Le monde, évidemment, vois-tu? Donc, il va y avoir des déménagements. Il va y avoir des choses qui, peut-être, dans ce choix que tu vas faire, ne sera peut-être pas quelque chose de plaisant à faire. Parce que le choix, ça va apporter un déménagement, peut-être d'une ville, d'un pays, de maison, pour emménager avec cette personne, ou peu importe. Mais bon, chose certaine,
La bonne nouvelle aussi dans cet arcane majeur-là, c'est que l'arcane du monde signifie un oui retentissant. Donc, elle vient aussi confirmer cette union que tu dois avoir avec cette personne. Regarde cette personne, comment elle est heureuse. Donc, ce n'est pas une carte de malheur, mais c'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Ça va bouger et ça va entraîner un peu comme une vague, hein, n'est-ce pas? Ça l'entraîne des choses dans le passage de celle-ci. Des fois, on va appeler ça des dommages collatéraux, mais des dommages qui sont nécessaires. Donc, on devra avoir un choix qui va nous être livré pour prendre acte et enfin avancer et peut-être embrasser cette nouvelle proposition, cette proposition que nous attendons, toi et moi, depuis tellement longtemps. Donc, pour ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est un tirage excessivement positif. C'est un tirage que nous attendons depuis longtemps, qui nous parle enfin des vraies choses, qui nous disent que notre hôte va enfin venir vers nous avec sa belle proposition d'amour et nous livrer. Et si vous êtes au moment de cette vidéo, si vous la regardez, peut-être dans proche ou fin janvier, début février, parce que là, présentement, nous sommes fin janvier, mais cette vidéo, je tiens à le rappeler, est intemporelle. Donc, évidemment, les fêtes de la Saint-Valentin qui arrivent en février, eh bien, ça peut être quelque chose ou un moment propice où cette personne va enfin s'ouvrir et livrer son cœur, faire sortir cette vérité en elle. Parce qu'avec le page ici, le valet de bâton, nous sommes dans une énergie de renouveau, hein? On est dans une puissante énergie qui nous permet de faire ce pas en avant et de livrer ce que nous avons sur le cœur, d'être capable de nous exprimer. Parce que certaines personnes ont de la difficulté à s'exprimer, mais bref, tout ça va se réaliser et tu en es en grande partie responsable parce que tu vas avoir eu la clé un peu de ce destin. Et avec le 8 de Pentacle, c'est ce que ça me dit, c'est que tes manifestations réussissent. Et de ce fait, si tu ne t'es pas procuré encore ma vidéo sur l'art de la loi de l'attraction pour attirer enfin vers toi la personne de tes rêves, eh bien, je te conseille vivement de le faire. C'est des conseils précieux sur l'art de mettre en œuvre la loi de l'attraction et tu vas retrouver tout ça ici dans la description en dessous de la vidéo. Donc, pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, eh bien, sachez que ça va enfin payer. Ça arrive vers vous à vitesse grand V. Et pour ceux qui se sont déjà procuré cette vidéo sur la loi de l'attraction, eh bien, je vous conseille de la réécouter pour ne jamais oublier et remettre en œuvre de façon régulière. Prenez-en une bonne habitude, c'est important. Donc, sur ce, merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci pour tous ces beaux cadeaux, ces dons que vous me faites. C'est tellement apprécié si vous saviez à quel point ça me permet de me procurer des nouveaux tarots, d'upgrader un peu mon équipement, etc. Donc, c'est vraiment super apprécié. Merci aussi d'être là, semaine après semaine. Merci pour vos likes, pour vos pouces en haut, vos partages aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Merci du fond du cœur, ça aide la chaîne et ça aide à se faire connaître parce que des centaines de milliers d'âmes à travers le monde attendent et vivent la même chose, mais ont peut-être pas encore trouvé la bonne façon. Et les guides nous disent qu'ils vont finir par arriver sur cette chaîne. Et en arrivant sur cette chaîne, ils comprendront bien des choses. Et c'est grâce à toi. Merci du fond du cœur. Sur ce, on se voit très vite et on se dit une belle semaine. Ciao, ciao!